Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser Git, mais cette fois de manière pratique. Récemment j'ai présenté Git, certes c'était un peu long, mais cette fois je vais appliquer et montrer comment on s'en sert en général. Comme en ce moment je montre aussi Puppet, eh bien c'est le moment de voir comment je l'utilise sur un serveur, et un serveur Puppet en plus. Bon, c'est vraiment de la mise en pratique. Je ne vais pas faire une vidéo à rallonge à chaque fois, je ne vais pas m'attarder sur les commandes, j'y ai déjà passé beaucoup de temps, et il suffit sinon d'aller voir ma vidéo précédente au besoin. Je dis pas que je ne vais pas montrer quand même quelques nouvelles choses, sinon il y aurait quand même un petit peu moins d'intérêt. Justement, à chaque vidéo, c'est nouveau point. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Dans d'autres vidéos, j'ai montré comment fonctionnait Puppet, comment l'installer, comment faire quelques petits jobs. Puis j'ai montré comment installer et utiliser Git. C'est de mon serveur Puppet que je vais partir et je vais commencer par récupérer, cloner un projet que j'ai déjà créé. Vous allez voir, en dehors du clone, je n'ai fait que des opérations simples et je les ai toutes montrées dans ma présentation de Git. Alors peut-être parfois, justement, avec quelques variantes. Alors je vais commencer par cloner mon projet complet, donc toutes les branches, et tout ça dans un dossier spécifique, puisque quand on fait un git clone classique, il recrée le dossier au nom de mon projet git. Alors pour pouvoir cloner toutes les branches, je vais devoir utiliser l'option mirror, avec un git clone --mirror, et l'adresse de mon git.slash.git. Donc en fait, je vais lui dire de faire ce clone à l'emplacement où je suis actuellement. Alors ici, j'utilise 192.168.1.141 pour mon serveur, puisque j'utilise un GitLab. Et de toute façon, ça serait exactement la même chose si vous utilisiez un GitHub. Alors le clone avec l'option --mirror va impliquer que l'option bar va devoir être passé à false, sinon je pourrais pas faire de jacquot ou de switch. Donc je vais faire un git config espace --bool core.bar false. Donc je vais mettre l'option bar à false. Une fois que ma restauration sera faite, on peut voir comment est organisé mon projet avec un git branch où on voit que j'ai 5 branches, avec dans chaque branche 2 fichiers. Donc je vais pouvoir faire un ls --lo pour pouvoir afficher tous les fichiers avec leur taille, et y compris les fichiers cachés. Alors j'ai un fichier readme.md que j'ai créé dans un premier temps dans la branche master, puis j'ai créé les autres branches. Chaque branche qui ont été créées après la création du fichier readme.md va inclure forcément ce fichier. Puis pour chaque branche, je rajoute un fichier readme. Alors justement, il faut absolument prendre ses habitudes de faire des fichiers readme, de remplir les fichiers readme, parce que vous verrez que là aujourd'hui j'utilise juste un projet. Le jour où vous avez 100 projets et vous n'avez aucune information dedans, c'est extrêmement compliqué de remonter dedans et de comprendre ce qui a été fait. Donc justement, la documentation reste quelque chose toujours de très important. Alors une fois que c'est fait, une fois que j'ai créé mes fichiers readme, je vais terminer avec le fichier d'explication pour pouvoir créer mon projet. Donc même si je venais à perdre mon projet, j'ai encore un fichier qui m'explique comment le recréer. Alors ici, j'ai un fichier qui le fait. Ça pourrait être très bien un script qui le fait de manière automatique. Alors justement, je vais prendre quelques instants pour montrer ce fichier de création, ce qui va me permettre aussi de gagner du temps et à la fois de pouvoir expliquer plus rapidement.
Donc dans un premier temps, je vais faire un vi-readme.md où je vais ajouter mes différentes données de mon fichier readme de ma branche master. Puis je vais faire un git init. Donc le git init, on l'a vu, c'est pour initialiser le projet git. Et je vais faire un git add. Donc le git add permet de rajouter tous les fichiers. Et puis je commence par un premier git commit avec un -m où je mets comme commentaire my first commit. Donc au moins toujours mettre aussi dans le commit les différentes informations. Puis je vais faire un git branch test, un git branch prod, un git branch pré-prod, un git branch temporaire. Donc ça aussi c'est une question d'organisation et chacun le fait comme il le sent. Donc là en fait je vais créer directement toutes les branches. Certains vont faire autrement, vont créer une seule branche, mais à chaque fois un projet Git différent. Donc j'ajoute toutes les branches au remote, de manière à ce que, justement, quand je vais pousser toutes les branches, et je pousse sur mon serveur GitLab les différentes données. Alors je vais créer ensuite un fichier spécifique par branche, avec un commit derrière. Ce qui va me valider et arrête les modifications de la branche sur un commit. Et ce qui donne au résultat final avec le fichier commun. Donc fait avec la création des branches et avant la création des branches. Et puis un fichier spécifique par branche. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser tomber comme ça. Je vais quand même vous donner toutes les commandes dans la description de la vidéo. Alors j'ai fait ça pour les modules, je vais faire la même pour le dossier manifeste. Alors là je vais pas vous montrer, vous prenez la page de commande, vous remplissez le module par manifeste et on a exactement la même chose, même emploi, même caractéristiques. Donc cette fois, j'ai posé le tableau, j'ai mon serveur Poupette, mon projet Git en place dans mon dossier de module et mon projet manifeste dans le dossier du même nom sur mon Poupette. Alors ici, je ne vais travailler que sur mon dossier de module. Dans mon dossier manifeste, j'ai mes différents manifestes, mais rien de particulier. Mais dans mon dossier manifeste, je travaille de la même manière. Et de toute façon, j'ai bien sûr la même chose et la même structure. Donc ça, c'est la solution que je présente. C'est une méthode de travail que je présente sous cette forme. Vous pouvez bien sûr organiser votre système comme vous l'entendez. Quand vous travaillez en équipe, eh bien, on peut très bien avoir chaque module à projet Git. Alors après, qui m'empêche d'avoir des postes clients pour mes tests, des postes de pré-prod ou des postes temporaires et bien entendu mon parc de production. Alors je dirais même que bien souvent, on a carrément un Poupette de test, un Poupette de pré-prod et un Poupette de prod. Et finalement, on travaille avec chaque branche. Donc on travaille avec la branche test sur mon Poupette de test, la branche pré-prod sur le Poupette de pré-prod et la branche prod pour mon Poupette de prod. Mais même les tests, rien ne vous empêche de faire des essais. Donc même dans la branche test, même sur votre Poupette de test, il n'y a rien qui vous empêche encore d'avoir plusieurs branches. Alors je ne parle pas du nombre de fois justement où ça m'arrive. Alors il est vrai que ces derniers temps, je propose pas mal de choses et souvent des choses un petit peu plus poussées. Alors ici, je parle de Git dans mon Poupette. Mais on pourrait avoir tout autre projet ou toute autre structure et ça serait exactement la même chose. Alors pour l'instant, j'ai rien dans mon projet. C'est pas pour autant le moment de faire n'importe quoi, n'importe où. Donc je vais faire un git branch qui va me permettre de confirmer que je travaille bien dans la branche test. C'est bien la branche test que je vais commencer. Alors dans une vidéo précédente, j'ai montré que je pourrais travailler aisément avec FirewallD. Alors bien sûr, c'est un exemple.
Je vais pas dire que c'est le premier module avec lequel on travaille, mais là, pour le cas, effectivement, je travaille aussi beaucoup avec ce Puppet FireWall Day. Donc je vais tout simplement faire un Puppet module install Puppet FireWall Day. Alors je pourrais très bien faire quelques essais, vérifier que mon Puppet FireWall Day est bien installé, c'est d'ailleurs ce que je devrais faire normalement. Et après mes essais, je vais valider les modifications. Donc pour ça, je vais faire un git add point pour pouvoir lui rajouter tous les nouveaux fichiers qui ont été rajoutés avec mon module FireWall Day, suivi d'un commit. Git commit-m add FireWall Day. Alors toujours passer par un commit. Dès que vous faites quelque chose, il va falloir faire des commits derrière. Alors oui, bien sûr, ça prend de la place, mais les données sont si précieuses et on n'est pas à un peu de place près. Là ici, je fais la manip avec juste un module. Je le ferai avec les autres après autant de fois qu'il le faudra. Alors justement, quand je pense que je vais pouvoir passer de test en pré-prod, eh bien je vais pouvoir faire un merge de ma branche test vers pré-prod. Alors bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, certains vont le faire ici, donc comme là je le fais directement sur mon serveur, d'autres feront les merges au niveau de leur Git, au niveau du GitLab ou du GitHub, et puis ils descendront la branche test sur le Puppet de test, la branche pré-prod sur le Puppet de pré-prod, et ainsi de suite. Et justement, si je fais un ls, on voit bien que je vais récupérer les données de mon git merge. Donc je vais commencer par faire un git switch pré-prod. Justement, il faut absolument passer par la branche pré-prod. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi. Donc je commence par faire un git switch pré-prod pour pouvoir passer dans la branche pré-prod. Puis je vais faire un git merge test. Donc je vais faire un merge de mes données qui sont en test dans ma branche pré-prod. Alors justement, accessoirement, on peut faire un git merge test-m merge avec test. Donc je vais faire un commit en lui disant que c'est un merge test que je viens de faire. Et quand je vais faire mon ls, eh bien, j'ai bien récupéré les fichiers de la branche test, même le fichier readme-test.md. Alors bien sûr, il n'est pas forcément approprié puisque de toute façon je récupère le readme test de ma branche test dans la branche pré-prod, donc il n'est plus approprié, donc je vais pouvoir supprimer avec un rm-f readme-test.md. Et puis bien sûr, là je viens de supprimer le fichier readme-test, et bien je termine de nouveau avec un commit, cette fois dans l'état et où je veux vraiment voir ma branche comme elle est. Donc je vais faire un git commit-a-m git merge test ok. Donc cette fois je fais mon commit en disant voilà, ma branche est comme il faut et c'est ok. Mais rien n'empêche de garder les différents commits entre les deux. C'est ce que je disais il y a quelques instants. Alors côté pratico-pratique, rien à dire, j'arrive justement à ce que je voulais. J'ai assemblé la version de test avec la version de pré-prod et j'ai supprimé les indésirables qui venaient de ma branche test. Et j'ai un commit de la situation actuelle. Alors j'ai pas fait de push sur le serveur, mais de toute façon ce n'est qu'une commande. Et bien sûr, quand je vais faire un push, il va pousser à la fois le projet, mais il va pousser les commits, il va pousser tous les fichiers en même temps. Donc globalement, ce n'est rien d'autre qu'une sauvegarde de ce que j'ai en local, de mon git local, vers mon serveur, que ce soit un GitLab ou un GitHub. Alors si je fais un git log, j'ai récupéré les commits de test, les commits de pré-prod. Si je fais un du espace -h, on voit la taille de l'ensemble du dossier,
Alors justement, si je fais un cd.git, donc je vais aller dans le dossier qui contient justement les différentes branches et les différents fichiers, et je fais un du-h, on voit que le dossier git contient sensiblement 50% de l'espace utilisé par le projet. Alors effectivement, avec le temps, les commits et les modifications, vous allez quand même avoir le temps d'y penser. De toute façon, avant que vous ayez un tera de git, il faudra quand même y aller. Alors, mais bien sûr, il y a les perfectionnistes qui vont dire « Ah oui, mais pourquoi garder des commits intermédiaires ?» Alors justement, c'est le principe du versionning. Mais bon, après, il faut ni trop peu, ni trop, juste l'essentiel. Alors je peux alors par exemple effacer les différents commits pour ne garder que celui que je veux. Donc je vais faire un git reset head untied. Là ici, il me supprime le commit ou j'enlève le fichier. Si je fais un git log, là, rien. Il a juste enlevé le dernier commit. Donc je vais refaire un deuxième git reset head. Ici, il va m'enlever le commit du merge avec test. Donc mes différents commits importés avec le test. Si je fais un git log, là il me reste que le commit précédent au merge. Mais le ls m'indique bien que mes fichiers y sont. Il indique bien que j'ai bien récupéré, j'ai gardé l'état. Donc je peux alors faire un git add point qui va rajouter mes fichiers de module, puis un commit avec un git commit-m add firewall day. Et là, cette fois, un git log va me retourner juste l'essentiel de mes actions. Mais là, on voit bien qu'effectivement, c'est une question de travail, une question de mécanisme. C'est pour ça que je disais aussi, là, je fais le merge où je fais les manipulations sur les commits directement sur mon serveur. D'autres feront directement ces modifications-là sur le serveur GitLab ou le GitHub. Alors, à chacun sa manière de travailler, à chacun ses méthodes. Donc, je vais montrer un autre moyen d'arriver au même résultat. Alors, c'est différent, mais le résultat, pour le coup, sera le même. Alors, attention, uniquement pour le remplacement de fichiers. Alors, je commence par faire un git log. Donc là, et je vais repasser avant l'ajout de mon module. Donc je vais commencer par faire un git restore-source égale et le commit qui était avant l'ajout de mon firewall day. Alors ici, je suis bien avant l'ajout, mais cette manip, vous pouvez l'oublier, c'est juste pour pouvoir faire la suite. Donc si je fais un ls, j'ai juste mes deux fichiers effectivement d'origine, sans mes deux modules, sans mon module firewall day et le stdlib. Alors si la modification apportée côté test n'est pas trop volumineuse, si c'est juste quelques fichiers, je peux dans ce cas restaurer sur une branche les data d'une autre branche. Je peux alors faire un git restore firewall day stdlib-source égale les tests. Donc je vais faire une restauration du dossier firewall day. Alors ici firewall day c'est un dossier, j'aurais très bien pu pour le faire pour un fichier. Mais là, je vais faire un restore du firewall day et du dossier stdlib et je vais le restaurer dans la branche actuelle. Et je vais le chercher depuis la source test. Et quand je fais un ls, je vais bien retrouver tout. Et je peux même aller vérifier si j'ai bien ce à quoi je m'attends. Alors là, justement, c'est le module firewall day et le stdlib, donc je peux très bien faire comme je suis sur Puppet, un Puppet module list qui va effectivement me lister les différents modules. Et on voit bien que j'ai récupéré le module firewall day et le stdlib. Donc justement, c'est ce que je dis, il y a toujours plusieurs solutions, un cas particulier, chacun utilisera Git comme il l'entend. C'est pour ça que je disais, c'est plus de la mise en pratique, voire comment on peut faire avec les différentes commandes et les différentes méthodes qu'on pourrait retrouver.
Alors maintenant, je vais me retrouver avec différentes versions au niveau de ma production. Alors ici, ça sera moins le cas car je suis sur un environnement de déploiement, mais on pourrait très bien avoir le cas pour le développement de logiciels. On pourra vouloir parler de versions, et en particulier de versions de distribution. Windows 10 n'est pas la 10e version de Windows, mais en fait on l'appelle comme ça parce que c'était plus pratique à ce moment-là d'appeler Windows 10 Windows 10 plutôt que de l'appeler Windows 7 quelque chose. Alors mais cette fois on va employer des tags au niveau de nos commits. On pourra alors dire là j'étais à telle version de la distribution. On peut avoir aussi des R1, R2, des versions non finalisées, des versions non stables. Bref, toutes les versions qu'on va pouvoir retrouver au cours d'un développement. Alors pour ça, on va pouvoir taguer les différentes versions. On parle de tag, on va lui mettre une étiquette. La dernière fois, j'ai présenté Git, mais on n'a pas tout vu. Et justement, je n'ai pas parlé des tags. Ce que je vais faire là n'a rien de réaliste. Je ne vais pas créer un tag juste parce que j'ai rajouté un module. Mais ici, ce que je montre là, c'est pour l'exemple. Et si ça me plaît pas, de toute façon, je pourrais toujours le retirer après. Donc je vais faire un git tag espace-a firewallday underscore ok. Le commit qui m'intéresse espace-m et mon message. Alors là, on va retrouver le -a pour dire que j'ajoute un tag, le nom de mon tag. Alors attention, il ne faut pas mettre d'espace dans le nom du tag. Donc généralement, ce qu'on emploie, c'est un underscore. C'est pour ça que j'ai appelé mon tag firewall des underscore OK. Le commit sur lequel on va ajouter le tag et le message qui correspond à mon tag. Alors bien sûr, un tag sans message ne sert pas à grand chose. Donc on met obligatoirement un message. Soit avec un -m, donc là on va le mettre directement dans la commande. Sinon, quand il va être proposé de mettre un message à mon tag. Alors justement, quand je vais faire un git log, je vais retrouver mes différents tags. Alors, on ne peut pas mettre deux fois le même tag, même sur un commit qui est différent. On peut mettre plusieurs tags à un seul commit, mais chaque tag doit toujours être différent. C'est une étiquette. Donc comme le tag est humide, pour pouvoir le supprimer, il suffit juste de mettre git espace-d et le nom du tag. Puisqu'il est unique, on ne risque pas de supprimer un autre tag. Donc on fait un git-d et le nom du tag qu'on veut supprimer. Bon là c'est vrai que ce n'est que de l'application de ce que j'ai montré dans ma vidéo précédente. J'avais quand même été un peu vite, on a vu plein de choses et forcément on va s'imaginer très vite que la gestion au travers de Git est très compliquée. Alors vous avez vu quand même dans cette vidéo que j'ai rajouté quelques variantes, mais si vous vous rappelez bien, je disais que Git n'est en rien qu'un support, une aide, mais n'est pas du tout l'outil principal de travail. Ici, mon outil principal, c'est Puppet et rien d'autre. Alors, je disais, pas la peine d'en faire des tonnes. Finalement, même si je peux encore parler de Git dans mes prochaines vidéos, je pourrais tout simplement dire, tiens, j'ai fait à cet endroit-là un commit. Si jamais je viens à tout casser, je pourrais revenir ici. Alors, par la suite, justement, on pourra très bien jeter un coup d'œil à l'aide et là ça fonctionnera tout seul. Donc là j'ai montré une utilisation, pas l'utilisation de Git, une manière de l'utiliser. Certains vont travailler en local, comme là je l'ai fait, pousser les données sur le GitHub ou le GitLab, procéder au merge des branches sur le serveur distant pour ne descendre que sur le serveur de pré-prod, la branche pré-prod, que sur le serveur de prod, la branche prod, ou la branche de test sur le serveur de test, avec un environnement complet, pourquoi pas en local. Donc rien n'empêche d'avoir des branches et des sous-branches derrière. Donc justement, je le répète,
toutes les utilisations de Git sont possibles. Chacun le verra comme il l'entend. Alors si la vidéo vous a plu, pensez à liker. Ici, je pense que c'est nettement plus compréhensible que ma présentation de Git, ce qui n'empêche pas d'avoir des questions. Laissez-moi vos suggestions ou vos différentes remarques. Si vous voulez encore du Git, eh bien, dites-le. Ça arrivera avec le décalage habituel. Mais pourquoi pas des sujets de l'application de Git? Ça, par contre, ça ne manque pas. Tout le monde l'utilise et tout le monde l'utilise de manière différente. À bientôt.